Quand on change un modèle économique, qu'on passe de la vente à la location, au modèle TAS, bah effectivement, il faut toujours acquérir le matériel pour la société, et puis ensuite le proposer à la location. Donc il y a une problématique de financement du matériel en amont. Donc on reste propriétaire pendant toute la durée de contrat des matériels qu'on fournit, on y ajoute les logiciels qui sont développés, mais donc il y a une problématique de financement très très forte. Et donc ça a été un premier défi. On a pour cela levé des fonds propres sur Euronext, mais effectivement, ça a été quand même, c'est une caractéristique particulière de ce changement de modèle.